Le but de l'opération était de pousser Mélan au maximum de ses possibilités et de son expression de la taille unique. De faire une image avec véritablement une seule taille et pas seulement avec des tailles parallèles. On est frappé quand même par l'effet optique hein, produit par le graphisme hein, de ce trait unique. Surtout, comme la plaque a été très très bien nettoyée, là, on a l'impression d'avoir un disque micro-sillon. Oui, un micro-sillon. C'est assez curieux. Le principe de la gravure en taille douce, et spécialement de la gravure au burin, c'est de jouer avec les pleins et les déliés, comme dans l'écriture à la plume. Ça signifie que le burin, qui est cette lame que tient le graveur sur la planche de cuivre, y pénètre plus ou moins profondément, un petit peu comme un dauphin nage à la surface de l'eau. C'est-à-dire que de temps en temps, la lame sort, et puis de temps en temps, elle replonge. Et au fur et à mesure qu'elle plonge, sa largeur s'agrandit, et le trait devient plus épais. Et puis, lorsque la lame ressort, le trait s'affine. Et là, le visage du Christ, tel qu'il est réalisé par Mélan, est formé d'une ligne qui fait à peu près 150 mètres de long. Pojawiła się tutaj spirala i ta spirala wynika z litery S. Litera S jest moją literą. To jest ślad labiryntu, który wcześniej realizowałem. I ten labirynt był tematem wielu moich prac. Natomiast przypomina mi to francuskiego artystę Mélan, który zastosował linię spiralną, właściwie linię, która biegnie okrężnie i ta linia stwarza portret Chrystusa na chuście Weroniki. Jest to po prostu genialny miedzioryt, który zrobiony jest jedną kreską.